Ouais mec, c'est, j'avoue, c'est la meilleure idée. Sont gavés. Et du coup, l'espèce de peste tsarsienne ou je sais pas quoi, c'était carrément des putains de vers qui te rentraient dans la gueule, quoi. Vite, ces bâtards, je crois. Faut que je sois prudent. Si je veux rester sneaky. Waouh! Mais attendez, c'était une grotte, c'était pas un château! Ah ouais, j'avoue, t'as raison. On va faire ça. La rencontre entre Skyrim et Dark Souls. Le meilleur mode du jeu. Ça fait bien putaclic. Oh oh. Reste d'absous. J'ai bien fait de regarder. Putain, les petits vicelards. Mais attends, mais c'est une cathédrale! Il y avait marqué que c'était une grotte des refuges de je sais pas quoi. C'est trop stylé sa mère en vrai. Putain, par contre, les mecs, ils ont toujours un petit goûter sur eux. Hein. Vas-y, c'est trop stylé sa mère en vrai. Ah, j'ai peut-être pas ce qu'il faut pour rentrer. Oh les bâtards. Attends, je peux les buter. Attends, reviens, reviens. Par pitié, reviens que je te tue. Que j'en tue au moins un, quoi. Ah, les prépuces dégueulasses là. Je l'ai eu. J'espère qu'il y a un endroit pour remonter. Sangsue fléau. Croc de sangsue. Ok. Il y en a d'autres. Oh, 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 dégueulasserie. Voilà, peut-être voir s'il y a un mode pour se battre dans l'eau. C'est intéressant. Attends. Oh, c'est tellement immonde. Impression d'être dans un. Par contre, je remonte comment, les mecs? Pouvoir maroufler ici. Il me régale son stream. Mec, il est incroyable. Mais tu vois, putain, c'est ça que j'aime bien en vrai. Tu sais, des fois, t'installes tes mods comme ça, comme un gros con. Et tu te prends des trucs dans la tronche, tu sais pas ce que ça. Enfin, tu sais pas d'où ça vient. C'est génial. En plus, c'est vraiment joli. Hein. Franchement, les mecs ont fait un beau truc. Oula. Oh le bâtard, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Quoi? Hop! Je m'en vais. Ah mais attends, si c'est considéré comme un géant, faut que je lui tire dans les pattes. Maram le boucher! Mamma mia! Arrêtez monsieur, parce que putain, il est... par contre il tank, ce bâtard. Putain! Dans le cul! Pourquoi tu prends pas les dégâts? J'ai pas envie de me rapprocher de toi. Ah voilà. Merde, j'avais joué sa foule. Attends. Ah ouais, faut que j'attende ça. Oh, en plus il a l'air de faire des attaques de bâtard. Ouais, ouais, je vais courir. Hein. Ouais, ouais, tranquille. Oh le bâtard. Il a l'air trop violent son truc. Aïe! Merde, il m'a lock. Il prend pas de dégâts. Oh! What the fuck? Attends, qu'est-ce qu'il me fait le chat là? Je rigole, il y a une phase de.
Bon alors attends. Là on est dans la merde parce qu'il fait mal. Bon ça sert à rien que je descende, là c'était juste les vers de merde. Ok. Est-ce que je peux rester sneaky? Au moins lui mettre un bon gros hit là. Par contre il me fait chier ce bug avec les géants. Je suis obligé de leur viser vraiment entre les deux couilles pour leur faire des dégâts. Là tu vois je l'ai pas touché. Faut s'abuser. Et touche-le. Ça s'abusait quand même le jeu, non? Pardon. On va essayer de se décaler. Ah, enfin! Alors, on fait moins le malin! Aïe! Bâtard, il m'a raté. Vas-y, viens là! Hein? Quand moi aussi j'utilise mes capacités spéciales! Oh, Steam va niquer ta mère. Tiens! Sale chien va. Aïe! Oh, 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 le bâtard! Ah ouais! Elle est violente son attaque chargée là! Maram le boucher. Fais voir ta gueule un peu là. Oh. Oh oui. Mais attends. Maram. C'est l'armure de Mara dégueulasse. Oh j'ai son marteau. Mais vas-y mais... C'est le meilleur mode du jeu. C'est pas possible. Il est trop bien. Journal de Mara. Esprit de Nirn. Je connais ça. Oh, je peux l'appeler. Vas-y. Attends, je vais lire son journal. La persécution de nos membres a empiré après l'exécution de Marie. Pourquoi Marie a-t-elle soigné ce garçon souffrant de la peste? Oh, et en plus, c'est relié, c'est trop stylé. C'est clair que l'ordre à les siens ne resterait pas les bras croisés. Dame Mara, que dois-je faire? J'ai entendu une voix, ce qui doit être la voix de Dame Mara elle-même. Le même matin, je conduis le reste de nos fidèles à l'assaut de la cité impériale. Nous allons asséler un grand coup à l'ordre à les siens. L'aube est levée, je n'ai jamais autant attendu le soleil devant Dame Mara. Aujourd'hui, nous te témoignerons notre amour pour un pèlerinage de sang. Je t'en prie, veille sur nous, regarde-nous noyer l'ordre alésien dans son propre sang. Putain, c'est stylé. Oh! Ah, c'est pas vraiment son marteau magique, hein. Oh là là, la classe absolue! Incroyable! Je devrais pas les rendre. Moi, ouais, c'est pas grave. Je les reconnaîtrai. Ah, les trucs de vigile d'élite aussi, ça me plaît. Vas-y, cette armure, elle est incroyable. Il y a des nénés, mais. Il est quand même, quoi. Ah, attends. Marteau de Mara. Ah, l'arc de bourreleur est vraiment considéré comme un truc de quête, par contre, hein. Pas les autres trucs. Bon ça je vais le poser. Il pèse lourd. Ouais ça m'a libéré énormément d'espace. Par contre je vais pas le poser là dedans. Je vais le respecter un minimum. C'est un peu l'arc ultime. Donc Alors, attends. Hop. Je le récupère. Et on va le mettre là dedans. Hop là. Ah, la lame de la compassion, je vais la poser aussi. Hâte de voir ce qu'elle donne bien améliorée. Je vais améliorer tout ça avant de passer mon niveau 100 d'ailleurs. Enfin, de reset le niveau 100 plutôt. Ça pue la classe en tout cas. Mais du coup, les. Les mecs se battent ensemble dans un monde, dans un plan d'Aedric chelou, genre... Temple de Mara. Telle belle combien? Je sais pas parce que, tu sais, j'ai les niveaux bloqués, donc je peux pas voir. Bon après, ouais, ça me coûte rien, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on va mettre?
on va mettre en santé, vigueur un peu. Ah, voilà, 52. Vous êtes méchant? Ah oui, vous êtes méchant, effectivement, parce que si les issues de Mara, c'est des têtes de mort. Ok, ça s'est bien passé. Inscription, allez, traduite. Merde. Non, c'est ça que je veux. Ok. Je vous laisse ça 5 secondes. Voilà, c'est pour la vidéo. Bizarre cet endroit un peu. Oh, t'es méchant. Fouette le fion si t'es méchant. Rien à foutre. Oh, j'ai eu. Je pensais que j'allais pouvoir avoir une deuxième fois l'armure. Par contre, on voit ce que ça donnera. C'est quoi ça? Pardon? Gène spirituel de dragon? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, si je peux trouver d'autres dingueries comme ça là. C'est quoi ça? Guerre du premier conseil. Ok. Ceux qui veulent lire ces cadeaux. Épélier. Oh, vous foutez de ma gueule de mettre un épélier ici, genre. Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est un truc de conjuration, non? Voir, ouais. Attends, bah du coup, on va utiliser ça. Les fragments là. Oh merde, faut en venir à chaque fois. Commandant tout sager. Et si je conjure Jean Michmuche là. C'était qui? C'était Maram le massacreur. Oh ouais. Ah. Oh, tu pues la classe, mec. Sa mère, c'est trop stylé. Par contre, ça me dit pas. Je vois pas ce que j'aurais pu invoquer d'autre. Hein. Peut-être un truc plus petit en vrai. Et quoi de plus petit? J'ai vraiment beaucoup d'invocations maintenant. Genre le dos meilleur ami immaculé, il est pas très grand. Oh, ok. J'ai limite envie de lancer un. Y'a pas un autre socle? Vas-y, on va voir. Attends, on va voir dans l'autre endroit, celui qu'on n'a pas vu encore. Là c'est la salle principale. Où était l'autre coin? Là est-ce que c'est là où il y avait la pierre de... Oh, bonjour.
Alors, vestige de la lumière. C'est un kill. Oh, mais qu'est-ce qu'il a lui? Prends tes flèches. Bah, monsieur. Oh, j'ai tué mon truc. Mais merde. Allez, meurs. Ah, voilà, dans la tronche. Vengeance. Censé être un sniper de génie. Oh, ça, ça a l'air intéressant. Ok, ok. Fais voir la carte un peu. La carte locale, ce que ça donne. Ah, il y a un endroit que j'ai pas bien visité là. Est-ce que c'est pas là où il y avait le socle par hasard? Si, regarde, je crois que c'est le socle ici. Après, si c'est un donjon, c'est possible qu'il me fasse faire tout le tour. On voit bien la sur la minimap là, j'ai pas l'habitude. Est-ce qu'on voit aussi bien? Ok, bon. On va continuer, on verra bien. Merde, j'ai déjà oublié dans quel sens on était. C'est pas moi. Oh merde, j'ai tiré dans son marteau. Putain, les gardes de Mara, ils sont stylés en tout cas. En vrai, il faudrait que je cherche bien quand même. Parce qu'il y a trop des dingueries. Alors, on vient là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Et en vrai, on s'en bat les couilles. Oh. Excuse-moi. Aïe. Est-ce que tu peux te relever? Vous m'énervez, madame. Ou monsieur. Allez, ça suffit. Tiens. Ok. On a dit qu'il fallait que je regarde un peu mieux dans les coins. Les trucs d'Apsou là, ce serait bien de les choper. La chanson jamais chantée au crépuscule. Super. Ah mais attends, vu qu'on peut en priant choisir. Ah. Je vous dérange dans votre prière et j'ai besoin de passer. Ah, un petit levier. Jugement. Je l'ai déjà. Attends. Dans le doute. Ok. Livre des Dédras. Je pense que je l'ai. C'est bon. J'ai entendu. Y a eu un bruit ou un genre un murmure, un truc comme ça, ou je suis fou? La bouche en feu visiblement, mesdemoiselles les araignées dégueulasses. Attends, comment elle s'appelle? Acier-pierre. 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 Ok. Je prendrai avec joie vos selles de feu. Merde. Okay. C'est vrai que mon perso est grand.
Je suis obligé de m'aroufler tout le temps. Non. Bon, j'ai voulu faire le malin. Je suis tombé dans le ravin. Attends, oh non mais ça c'est juste les sacs d'œufs. Hop. Voilà mon petit. Oh bonjour. Quelque chose là-haut. Ok, étrange cet endroit pour l'instant. Oh la pute! J'avoue, quelqu'un qui a peur des araignées doit pas se sentir super bien. Oh, elles ont un visage sur la gueule, j'avais pas vu! Tendance, c'est Nocturne qui gagne la guerre pour l'instant. Théoriquement, je suis un de ses soldats. De ses adeptes. Oh merde. Bien regarder ici. Tiens, dans le fion. On prendra de piquer les gens avec votre cul. Dans le Seigneur des Anneaux. Non, madame. Ça me change du monde du Reaper, hein, par contre. Ne fais pas défoncer la gueule comme une merde. Ah vas-y, ça m'énerve. Moi je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ces trucs là. Faut se heal peut-être. Faible bâton de péril. Je m'en passerai. C'est bon. Attends, on va tuer ça. Comment ça qui est là? Ariel la chuchoteuse. Oh merde, il fallait peut-être pas l'attaquer. Bonjour. Vous n'auriez jamais dû... Oh! Attends. Tu es une méchante ou pas? Oui, vu ta gueule, t'es une méchante, c'est obligé. Aïe. Mais vas-y! C'est une malade, elle! Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, mais c'est moi qui voulais la tuer. Tiens. Ah pire, la chuchoteuse. Oh, la petite épée là, avec la petite araignée. Le petit dard qui sort du cul. Bonsoir, Captain Adler. Vous jouez avec quelle ethnie? Je crois que je suis un breton, je suis pas sûr. On va regarder ça tout de suite. Peau de dragon. Non, non, non. C'est où qu'on voit ça déjà? On peut voir directement mon perso peut-être aussi. Alors, range tes affaires, Jean Raymond. On va se mettre au niveau de la lumière. Il fait un peu pitié quand même.
Bon, je rirole pas, c'est une méchante, c'est sûr. Enfin, dans tous les cas, je l'aurais tué pour avoir le stuff. Hein. Augmente la résistance au feu de 90%. Waouh! Putain. Attends, les attaques puissantes ignorent 50% de l'armure, infligent des dégâts de poison. Mais c'est une dinguerie cette épée. Note d'Aria. Aria la chuchoteuse. Ok. Ossement de Junal. Augmente la magie de 10 points. J'ai des trucs, genre c'est des dingueries, je sais pas d'où ça vient. Ah, c'était la reine pondeuse visiblement. Bon alors attends. Putain, il est trop bien le mode. Genre c'est un délire tout ce qu'il y a. Attends, les trucs un peu cool, on va les mettre ailleurs quand même. Je vais tout mettre là-dedans. Merde, faut que je remette Crozis après. Non, pourquoi je mets ça là-dedans? Couronne d'argent, ouais, ouais. Alors attends, c'est la rapière. Rapière de la chuchoteuse. Incroyable. En plus, le stuff il est cheaté. Ah ouais d'accord, j'ai 40 kg de minerai. Je suppose que toutes ces merdes de racines de canis et d'œufs. Oui. Effectivement, c'était lourd. Alors, les amulettes de marin, on va les poser. Standard aussi. Je vais garder les trucs stylés qu'on a récupérés pour qu'on les analyse peut-être plus tard. Ça, je pose. Attends, c'est des trucs qu'on peut porter? Illumine les alentours du porteur. Oh, cool. J'avais pas fait gaffe. À santé, ce que j'ai. Ok, ok, cool. Ah, mais j'ai le poids de. En vrai, je vais poser la truc de Sauron. Attends, la truc de Sauron est moins lourde. Vas-y, bah, je vais poser ça. Arc de bourleur. J'ai hâte de savoir à quoi tu sers hein, en tout cas. Bon, c'est pas grave ça. Saut d'art. Hop là. Hop là. Continuons l'aventure incroyable. Je remette mon casque. Bon, on va arrêter de les ramasser. Donc la demoiselle dégueulasse là. Oh elle a... J'avais pas vu, elle a pas de soutif. La connasse. Mais elle peut me faire niquer. J'avais pas vu. Putain la connasse là, un peu plus si on se faisait ban. Bon Mara, t'es censé être un truc pas trop dégueulasse pour l'instant de ce que j'ai vu des mecs chez toi. Bon. Alors attends, parce que là il y a un truc pas net. C'était où le socle qu'on avait vu là? Il était par là ou... Non, il était plus par là-bas je crois. Tu serais vraiment les vidéos où tu vois un ins? Oui. En vrai ils sont casse-couilles. Bah après j'avais entendu des explications comme quoi, en gros, si c'est dans un jeu vidéo et tout et que tu t'attardes pas dessus ça va. Mais tu vois en vrai... Je leur fais vraiment pas confiance. Peut-être que c'est sur lui. Attends, j'ai un sort que je peux balancer sur quelqu'un. Il est où? Feu solaire touché apaisant. Ça c'est sûr que ça sert à quelque chose. Bah tu vois par exemple Cyberpunk je tenterai pas. Pourtant je kiffe le jeu et tout, mais je préfère me renseigner de ouf si si ça passe sur Twitch quoi. Parce que c'est Cyberpunk, il y a des meufs à poil tout le temps.
Enfin des meufs et des mecs. Même toi sans faire exprès, tu te retrouves le sgay galère juste parce que t'as changé de tenue et t'as vraiment pas fait exprès pour le coup. Alors est-ce que ma théorie était juste? Eh ben tu sais quoi, je crois que ouais. Ma théorie était très juste même. Parce que là, c'est la stèle de conjuration. Et là, c'est la stèle de soins. Alors oui, mais... Après, peut-être que c'est ça qu'il faut utiliser. Yo. Oh, tiens, 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 tiens. Petit salopard. Donc du coup dans l'autre on aurait dû trouver un bâton de conjuration. Alors il y a 800 de sirote. Vas-y, je vois rien avec cette aura de merde. Ah ah. Oh, qu'est-ce que j'aime bien cette armure aussi. Oh, les Dragon Silaro, cool. Livre de sort, bûcher illusoire. Explosion illusoire qui inflige 25% de la santé actuelle, comme dégâts temporaires qui s'estompent après 15 secondes. Là il est particulier ce sort. Attends parce que je veux juste voir les Dragon Steel. Est-ce que c'est des grosses flèches? Non c'est comme ça. Je pense qu'on a fait le tour ici. Putain, il... franchement, trop la classe. Hein. Vraiment pas à dire. Et du coup, est-ce que j'ai accompli la zone? Moi, je pense que oui. Mais j'ai rien pour le prouver. Il y a peut-être des endroits où il y a d'autres stèles et je les ai pas vus. C'est des petits ronds sur le côté là. On va regarder un peu. Alors. L'essentiel est dégueu. Je pense que c'est bon en vrai. Ouais, on est bon. C'est par où la sortie par contre? Ouais. Ouais. Non. Oui. Allez, c'est parti. J'ai pas envie de m'arrêter là. Hein. Ah, peut-être qu'il aurait... Ça aurait été bien de... Qu'est-ce que t'es stylé, bordel. Putain, j'en reviens pas du stuff pété qu'on a trouvé par contre. Hop là. Putain, ça fait 3 heures que je stream. Je ne vois pas le temps de passer. Sacré grotte au rêve, carrément. Et ça, c'était juste une grotte au pif en plus. Genre, personne m'a dit d'aller là-dedans. Hein. Par contre, on était. Ah, mais je suis en train de me rendre compte que je confonds Mara et Dibella depuis tout à l'heure. Donc ça n'a rien à voir. Alors attends. Moi, je revenais de là-bas. Et cette grotte m'intriguait, donc du coup, je suis allé voir. Et là-bas, il y a une autre grotte. Mais on va aller faire le château de l'autre. Bien évidemment. Il a bougé. Où es-tu?
contre toi. Ah mais attends. Ah. Meurs. Il a résisté ? D'ailleurs ils sont stylés en vrai hein. Ils ont vraiment de la gueule, bon à part l'espèce de truc dégueulasse qu'ils ont dans la gueule, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la torche olympique? Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors là il y a une grotte, il y a trop de châteaux par contre. Mais je crois que c'est. On va retourner en arrière. Et on va. Donc là c'est le nord, et on va retourner à l'est. Moi je suis chaud pour faire le truc. Ah putain, ça m'a rebaissé le chat. Tibella, c'est une nymphe et Mara, mère Teresa. Ok. Oui, je me disais bien que il y avait une des deux qui était un peu cochonne en plus donc. J'ai pas vérifié là-dedans. Ok, ah tu vois le petit salopio. Toujours bien de retourner un peu sur ses pas, surtout dans ce genre d'endroit. Alors, crochet, hop 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 hop, qu'est-ce que on sent pas les steaks. C'est pas la route qu'on avait pris au début. Normal. Que la route qu'on a pris au début c'est celle-là. Je vais quand même faire un petit tour d'horizon. On se casse la gueule de là-bas, là, le scorpion géant. Oh les yinches. Alors mon pote. On a encore un. Plus de chien. Et ouais, c'est con hein. Attends, il est pas mort? Ah mais il va avoir les boules si je bute ses chiens. Tiens, c'est un gros morceau de barbac là. Tout ce que t'es. T'es chien moche. Attends, j'aimerais bien voir s'il y a des petits trucs là. Des trucs d'absous. Je sais pas à quoi ça sert, mais on va essayer de chercher. Qu'est-ce qu'il est big ce mode? Mais t'as pas l'air méchant toi, t'es juste assis, tu regardes par terre. Non mais j'ai juste regardé dans tes poches, t'as rien pris. Après, c'est moi qui cherche. Comment ça mon objet a pas une charge suffisante? Il faudrait peut-être que je le recharge. Bon. Hop, hop. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le. Qu'est-ce qu'il y a ici? Marie, la guérisseuse de Mara, peste en désaccord avec l'ordre à les siens brûlés sur le bûcher. Ah, c'est elle. Ah, elle avait un chien. Oh, coucou toi. Ah, c'est la deuxième, ça c'est bien. Alors, Grégory, qu'est-ce que tu nous dis? Grégory, il est. Grégory, où es-tu? Ah, putain. Est-ce que votre voyage se passe bien? Vous n'êtes pas blessé? J'ai failli mourir plusieurs fois quand les chiens m'ont pourchassé, mais je m'en suis sorti indemne. Regardez la statue de femme devant vous, c'est la statue d'une guérisseuse nommée Marie. Mais aussi une statue de loup à côté, je pense que vous comprendrez facilement. En là, regardant que c'était une ancienne dérivée de la foi en Mara. Pépé, le prêtre, m'a dit que ses adeptes vivaient cachés à l'ouest de la cité impériale. Ils sont très fervents. Si vous allez là-bas, vous soyez très prudent. D'accord, donc c'était Marie et pas Mara depuis le début. Et moi, je suis un mongol qui sait pas lire. Donc je suppose que c'est la grotte qu'on vient de faire. Et que du coup, c'est normal s'ils sont cons. Et que je suis con aussi. Oh, qu'est-ce que c'est que ces merdes là-bas? L'espèce de zgeg de qu'il y a dans l'eau là.
encore une pierre dragon. Enfin, jet spirituel de dragon. Après, peut-être que je suis con et que c'est de base dans le jeu. C'est possible. Et ça ferait beaucoup de fois où je suis con. Mais la cassure du dragon, Laza, tiens. Prenez le long de Laza, devenez un chasseur immortel. Chassez la pierre, traquez les âmes brûlées par la pierre, écrasez la pierre, apportez la paix aux âmes captives et à la forêt ancienne. Ok. Un poulet grillé. On prend ça. D'accord, intéressant. Alors mon petit, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, il y a beaucoup d'endroits. Merde, je me suis. Bah, on va aller là-dedans. Fort Velkind. Je veux dire. Je sais que vous avez la classe ou. Dérange pas trop. Non. Alors, hop. Bon, est-ce que je vais toutes les fouiller? Peut-être pas. Ça servira à rien. Alors, attends, toi par contre, où est ta tête? C'est un château. Ah mais ça doit être les ossements de Marie ça du coup. Livre de sang interdit, boule de feu flambante. Waouh, il vaut 1000 balles. Ok. Rôdeur de feu ancien. Niveau abîmé. Entre Halloween et Akatosh. Est-ce qu'on les a vus déjà? Je vais prendre ces jeux. Sinon j'en suis plus à. Ah, un livre ou deux maintenant. Oula. Attends, parce qu'il y avait une pièce que j'avais pas vue là-bas. On va revenir. On va aller voir ici d'abord. Ok. Donc c'est la sortie je suppose, oui. Ah mais attends. Mais vous faites des trucs bizarres ici hein, quand même hein. Tous des psychopathes. Lâchez-le. Ok donc ici est-ce que si je tire dessus ça se. Qui m'a entendu? Ah, ils arrivent. Non. On va fouiller le bas avant d'aller en haut. Mais. Clairvoyance, on s'en passera, c'est limite le premier sort qu'on trouve. Cadavre desséché. Oh, on a l'impression de lui percer le cœur. Ah mais je suis perdu, il est trop grand cet endroit là aussi. Oh. Alors toi mon pote. Bah t'es pas mon pote je pense. Qu'est-ce que c'était? C'était peut-être pas un méchant.
Oh, la poêle à frire. En arme lourde. Armure lourde? C'est un bouclier? Ah ouais, c'est un bouclier. Toc de cuisinier. La puissance des potions que vous cotez, qu'on vous concoctez avec des effets bénéfiques augmente de 50%. C'est très bien. Louche de chef. Vas-y, donne-moi tout ça. Particulièrement efficace contre les humains. Oh. Là-dedans. Bon, l'avantage c'est que j'ai pas besoin de me poser la question longtemps pour me dire que bah, c'est pas des gentils. Il suffit juste de regarder leur stuff. Oh, oh, regardez qui voilà. Bonjour Sir Henrik. Oh, it's you again. What a coïncidence. Vous avez retrouvé vos amis? Not even pas un one seul them. Par Oblivion, peuvent-ils être sacrés amis? Qu'est-ce que vous faites ici? Juste un peu d'alcool des cuisines, mais ce radin de cuisiner. Je pensais qu'il serait plus souple dans la prévie. Encore sous le jeu. Je ne crois pas que vous avez l'étoffe d'un voleur. Ah d'accord. Encore sous le jeu, je vois. Juste un peu, ça peut faire mal. Enfin, ça peut pas faire de mal. Oh, je peux pas dire que je vous blâme. Bien, vous comprenez. Vous savez quelque chose sur le seigneur de ce fort? Son nom est Varla, l'enfant d'un Alaïd. C'était le seigneur de la partie ouest de l'Empire Lésien de son vivant. On dit qu'il a été tué quand ses sujets se sont rebellés contre lui et sa brutalité. D'accord. Bien, écoute. Arrête de te faire choper, mec. Bon, même si... Merde, je peux rien. La con de cette vie, j'ai pas bien regardé non plus. On verra plus tard. Alors, attends. Non, c'est quoi ça? Casque de chevalier alésien. Oh, je vais prendre. Putain, faut vraiment que j'ouvre plus les yeux parce que. Ça m'a fait chier de passer à côté de ça. Il y avait de nouveau le chevalier oignon, Lucas était revenu. Il s'était fait attraper par le cuisinier parce que monsieur voulait boire un coup. Putain, vous, peu importe sous quel jour on vous regarde, vous êtes ignoble. Oh, j'ai bien fait de regarder Tonton Lyon. Oh, champélinal, c'est bon. Peau d'ours. Attends, peau d'ours, je prends parce que c'est pour la quête de l'autre là. J'y galère. Désolé, c'est pas agréable, mais. J'arrive pas à me retenir. Alors attends, parce que moi, il y a toujours une porte qui n'est pas ouverte en bas. Et ça me plaît pas. Oh, bonjour monsieur. La porte est ouverte devant vous. Et ouais, mais après, vous avez qu'un, une grosse sangsue dans la gueule, je comprends. Que vous ne voyez rien. Ah non, elle aurait dû être magnifique cette flèche. Ouah, t'es stylé toi. Eh, mais pas très longtemps en fait. Oh, pour bugger. Trouve un petit. Ouais, bah encore, ça avait pas l'air de plus se déranger que ça en plus. Ouais, il était content, il avait plein de bouteilles de vin. Enfin, c'est un peu glauque. La variété des draps. Je pense pas que je l'ai celui-là. Livre de nécromancie, chien de Varla. Oh cool.
hache d'armes d'ébonite, bon, je suis obligé de la prendre. Run Scimitar, j'ai coché, ouais. Donc c'était par là. Oui, j'espère qu'on peut récupérer. Bonjour. Vous êtes trop stylé. Cavalier dragon de Balaza. De Balarza. Désolé, mais je te fouette le cul sans respect, mon gars. Mais Oh oui, mais donnez-moi tout, bien sûr. Oh là là, oui, je prends. Tueur des orques. Ok, on prend. Pourquoi pas. C'était temps. Qu'est-ce que t'es, toi? T'es ignoble, mon gars. T'es quoi? T'es gentil ou t'es méchant? Attends, on va récupérer ça. Ah, on peut pas prendre leur armure. Dommage. Alors attends, tout à l'heure ça avait marché, on va voir si ça remarche. Ouais, bien. La stylitude est totale. Toque de cuisinier. Alors, hache d'armes d'ébonite. Ah, je devrais pas l'arranger ça là. Putain, elle est trop belle. Fais voir. Ça, c'est vraiment une arme. Cette merde aussi, j'avais oublié. Alors, attends, je vais récupérer. Hache d'armes. Tiens là. Hop. Tu vas là, toi tu vas là. Ça je pose. Tout ça. Ah, je vais poser des parchemins aussi. Ceux que j'ai en double, je les pose. Ah, genre à trop de nacre de feu et tous ces trucs là. Totem ours, c'est quoi? Invoque un totem et sur une nordique pendant un an. Il change entre la forme de chasseur et de l'ours. Oh, galère, stylé. Ça suffit. Salut, notre funny game. Comment t'as fait pour mettre les mods dans ton inventaire? Comment ça, le mod dans mon inventaire? De quoi tu parles? Tu parles du havresac? Le havresac? Bah quand je l'ai installé. Ah, tu parles de l'objet. Bah en fait quand je l'ai installé, j'avais déjà de base, je crois, ou je sais plus si je l'ai trouvé ou si j'ai dû l'acheter. Je crois que c'est de base dans ton inventaire, hein. Ouais, havresac. Attends, il est sorti lui? Qu'est-ce que t'es? Oh, mais... Qui est l'enfant d'un minotaure qui est à moitié taureau qui vous a parlé d'une telle absurdité? Vous êtes en train de dire qu'Alessia a ouvert ses jambes à une bête? Oh, quelle image vulgaire, ne soyez pas si stupide. Calmez-vous. Mais par contre, notre funny game, je sais qu'une fois ça m'est arrivé sans faire exprès de l'enlever de mon inventaire, le havre sac. Genre ça compte vraiment comme un item. Donc ne le perds pas quoi. Genre, ça m'est vraiment arrivé de trouver son. Il était rangé dans le corps. You, an alien orphan raised to knighthood by none other than I. Oui, j'ai cherché pendant une heure. I want the heart of Shazar. Bring me the heart. I told you we needed to kill this abominable Auriel. Bring me the heart. Auriel, il est là. Le cœur de Shazar, qu'est-ce que? Shazar est l'agent de l'unique vrai dieu, il est celui qui commande aux faibles répandant la puissance du vrai dieu dans tous les coins du Mundus. Mais c'est le vrai jeu en fait, hein, qu'on joue, c'est pas un mode, hein. Je veux pas le croire, c'est trop stylé.
Do you really believe what that Bard said? Leïd, qu'est-ce qu'il raconte? Croyez vraiment à ce que Bard a dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes un enfant de César. Cet abominable Auriel vous a abandonné, mais j'ai son arc dans les mains. Mais moi, Belraza, je ne vous laisserai jamais tomber. Alors s'il vous plaît, reprenez vos esprits, soyez l'homme intrépide que vous étiez, recommencez à couper des têtes à Leïd. Un seul dieu, de quoi parlez-vous? Affamé, je suis si affamé. D'accord. En tout cas, t'es passé à travers la porte. Espèce de gros truc. Par contre, je veux bien aller voir, mec, laisse-moi passer, s'il te plaît. Merci. Pardon. Mais c'est quoi cette histoire? On va devoir buter Auriel? Pas trop suivi. Oh. C'est quoi? C'est un ascenseur? Ah ouais, c'est un ascenseur. Ah ben on ouvre la porte que j'étais tant traumatisé de ne pas avoir pu ouvrir. Parchemin invasivité. Ok, j'ai cru que c'était un livre. Je me suis enjaillé pour rien. Concentré pour infliger 40% de dégâts d'attaque supplémentaires avec votre autre main relâchée après l'attaque pour déstabiliser les ennemis proches. Ok. Bon après en vrai, oh ça c'est, je vais peut-être prendre, même si je sais que je les ai déjà. Tu fais toujours ça de prix. Ok, donc là on s'en fout du coup parce que la suite se passe ici. Salle de Varla. Ah bah il est là. Alors attends, est-ce qu'on peut s'approcher en mode on peut discuter? Salut mec. Misérable, que faites-vous dans mon fort? J'ai baisé tout le monde dans ton fort, alors calme-toi. Alors, j'ai entendu dire que vous cherchiez le cœur de César, vous l'avez trouvé? Le cœur n'est rien d'autre que la stupide légende d'un vieil homme. Je n'ai aucunement l'intention de le chercher. L'ère mythique est terminée depuis longtemps. Je ne fais que passer. Tiens. Je n'aurais pas fini en pâté pour mes chiens. Ah ouais, donc au calme, je vais venir chez toi, buter tout le monde, tout prendre de ce que t'as dans ta maison. Et ça se passe bien. Après alors voilà, jouer à la régulière. Au pire miserable wretch. Would you coming here was your last stupid mistake. Ah ouais. Regarde ce que j'ai mec. Où es-tu? Je veux J'ai un Pokémon légendaire, mec. Oh ouais, casse-leur la gueule. Pouah. Je sais même pas si j'ai besoin de me battre. Attends, les yinches, ils ont l'air chiants. Ah, c'est des... c'est des vrais trucs, les yinches. Ouais, ouais, je vais le respecter parce qu'il a l'air d'avoir de la vie, ce bâtard. Ah par contre il est trop fort, elle est trop forte cette invocation. Ah mec, je vais vous geler le cul. Hop là. Parce qu'on peut pas être totalement lâche. Elle est incroyable cette invocation. Oh par contre elle me casse aussi la gueule. Tiens dans le cul le chien. Alors viande de chien, tiens je la prends. Tellement je te respecte même pas. Bah merci mec. T'as carré la game hein. Incroyable. Casque taciturne. Ah, donne-moi ton armure taciturne. De parade alésienne, double les dégâts en attaque discrète pour les armes à une main. Mais c'est trop de la balle. En plus je voulais j'allais attaquer un peu le gameplay en mode assassin. Inflige 20 points de dégâts supplémentaires quand l'ennemi part. Ok. Peau de loup blanc. Crâne d'Enola. C'est qui Enola? Qu'est-ce que tu fous avec ça dans les mains? Ok, invocation de l'autre. Ongle de Saint Dulsa. L'un des ongles qui aura coûté la vie à Dulsa et à son enfant mort-né octroie un point d'atout. What the fuck? Cœur humain. Oh t'es en slip maintenant. Attends, pourquoi je peux plus bouger? Qu'est-ce qui se passe?
What the fuck? Pour rien. Cœur de Dédra. Attends, y a quoi là-bas? Je peux l'ouvrir? Oui. Non mais c'est pas légal ce mode. Non non, c'est impossible. Le mec se permet de t'envoyer dans un flashback ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'elle fout là au mec là? N'importe quoi. Y'a au mec elle a par terre. N'importe quoi. C'est quoi ce bordel? Prêtre Alésien. Oui. Oui. Bonjour, Umar. Ah mais attends, c'était quand on n'était pas un connard. Oh. Oh mais tu faisais pas la même taille tout à l'heure. What is with Lord Belazar? There was no reason to take this. Ah, Belazar, c'est le connard qui était en train de ramper partout. Putain, mais le truc c'est permis de te mettre un flashback, mademoiselle. Mom. Maman. Taking Mark Montaigne was good work. Mais que fait Gandalf ici? We are one step closer to Malada. C'est un honneur, votre majesté. Don't be so formal, Varla. Je ne suis pas si formel, Varla. We may not be related by blood, but I still think of you as my son. Mon fils. Attends, l'autre, elle a dit maman. Ah, mais parce qu'elle doit chercher sa maman, je suis con. Les Aurorians de Meridia étaient encore là. That goddess is a sword loser. Pourquoi c'était chez Meridia? Umaril's defeat must have frustrated her. La déesse est une mauvaise perdante, la défaite du mari l'a dû la frustrer, sinon je sais pas quoi. Zaïd, un tel vacarme juste à cause d'un temple, si au moins il le cédait, il n'aurait pas à mourir. Ça a l'air d'être un enculé, des idiots tous, peut-être faut-il qu'on renforce la doctrine alésienne. J'en parlais à Borghast. Pourquoi insistez-vous pour prendre Malada? L'ordre alésien veut l'utiliser comme temple, parce que si nous y prions, ils découvriront où se trouve César. If we can't find si on peut trouver Chesar de cette façon, on devrait aussi prendre Malada, vous ne croyez pas, pour le bien de l'Empire. Varla, j'ai ordonné que tous les Aïds soient tués, hommes, femmes ou enfants. En tant que chevalier de l'Empire, vous devez dépasser votre compassion. Mais sale chien, fais-le toi. Pourquoi hésitez-vous à tuer un ou deux sales Aïds depuis sa bataille à maintenant? Je sens l'Aïd qui aussi dans mes veines. Mais ouais. You know about ben ouais. Mais en fait, je sais pas de quoi tu parles. Have you been listening to that? However, the Aelid abandoned you. They threw you into the... If the Imgur Prophet hadn't found you, you would have been food for the fish. And you would still choose the blood of the Aelid over us. Varla, voilà, je vous considère comme un fils. Vous aurais élevé au rang de chevalier, sinon. Et tu me demandes de tuer une gamine, Rakeshi. So why don't you raise your sword with a brave cry and let it fulfill its purpose? Je considère que vous comptez beaucoup pour moi. Pour moi, vous devez massacrer tout à l'aide qui vous trahirait de toute façon, comme cela, je vous en prie. Please understand. J'ai fait mon choix. I understand. What? You and I are through from this day forth. Take the filthy girl and go wherever you think you can find your happiness. Merci. The last ship to Aelinor will sail in 3 days. You should board it. Bah attends, j'ai pas parlé à tout le monde et tout là. Et pourquoi j'ai quand même le crâne de la petite fille? Quoi? Oh toi, t'as intérêt à ramener de la thune ou je sais pas quoi, putain. Hein, putain, genre. Qu'est-ce que je suis plus rien? Ok, puisque vous partez pour un long voyage, j'aimerais vous accompagner avec une chanson. Connaissez-vous de la chanson de Polydor et Eloïsa? Bon, merci, vos chansons sont trop déprimantes. C'est dommage, une autre fois, alors je vous souhaite un bon voyage. Je peux vous aider? Parlez au marin. Bulle. Non. Je peux plus vous parler?
Where are we going? À Linor, la contrée des elfes. Is it nice there? C'est beau là-bas, magnifique, allez, allons-y. Yes. I wish you good health. Bonne santé, voilà, laissez-nous les problèmes de l'Empire et une vie grégale. Toi, t'as l'air d'être un bon gars, toi. Dommage que tu sois mort comme une merde d'un coup d'arc de fouettage de cul d'arc dans la gueule là. Oh, qui souffle là? Attends, t'as une gueule bizarre? Not a single one. And to think Jazan was using golden coins. C'est le mec qui est dans la maison avec son petit smidolon là, je crois. Ah, petit bug. Ah non. D'accord. Et ça explique toujours pas pourquoi il y avait le crâne de la petite fille, je sais pas où. comment ça, d'un coup j'ai eu trop de choses dans mon inventaire. J'ai dû prendre le truc sans faire exprès. Incroyable. Peut-être que j'aurais dû la tuer. Ils auraient pas dû me laisser le choix en vrai. Crâne d'Enola. Bah ouais, j'ai son putain de crâne. Dire qu'elle a jamais de la vie, elle est vivante. Ou alors c'est juste que je suis mortel et bah, elle est morte. De vieillesse ou je sais pas quoi. Alors, je suis désespéré de cet inventaire qui... Ah, peut-être. Après, là, il y avait des trucs bizarres dans... genre, dans son inventaire. J'ai l'impression que c'est quand j'ai récupéré un objet que... ils m'ont fait voir des choses. J'ai 30 trucs... 30 kilos, je sais pas d'où ils viennent. Ça m'a bien vidé l'inventaire en vrai. Hop là. Je vais garder sur moi le crâne de l'autre là. Bon bah du coup on a éclaté Varla et y a rien d'autre sur lui, ouais, le blanc. Qu'est-ce que... En vrai... Attends. J'ai sauvegardé là-bas, j'espère. On peut voir la deuxième... Je fais une sauvegarde maintenant. Hop là. Et on va charger. Si on prend les trucs pour buter la petite fille. Allez, vas-y. Oh merde. Pourquoi je suis comme ça là? Ah voilà. Mais n'empêche les impériaux, vous avez l'air d'être des gros fouteurs de merde hein. Parce que à chaque fois qu'on entend parler de vous. Vala. Why are you hesitating to kill one or two more? Yes, Vala. Kill the alien. The only good alien is a dead one. Mom. Kill the girl. Do it for your own sake. Encore, encore quand même. Ok. Et attends. Pourquoi j'ai eu quelque chose trop lourd là?
du coup à la fin de ça. Je suis con parce que j'avais vidé l'autre. Ok, bah en vrai on va garder l'autre fin si ça arrive à la même chose. On a eu le roi des Alésiens qui nous a fait un magnifique twerk. Je suis où là? J'ai pas pris la bonne? Ah oui, ça va. C'est quoi? Karma? Ouais, t'as vu ça où? Ça te l'a retiré lorsque tu as test de buter la fille. Alors attends, on va faire un truc. Non, c'est peut-être un effet. Ma foi. Tu penses que je devrais recharger pour vérifier? Comment on sort de cet endroit? Je m'en rappelle absolument pas. C'est passé tellement de choses. Putain, c'est vraiment stylé quand même, hein, y a rien à dire. Ok, donc là on est bien de l'autre côté. Je vais voir la carte un peu, je vais voir la map monde. Village de Telle. Donc là il y a bien la tour de Molagbal au milieu. En fait ça me fume parce que genre c'est trop bien, astuce avec l'inventaire de Skyui. Vas-y, on voit. Astuce avec l'inventaire de Skyui. Ouais, je pense aussi que c'est lié au choix, mais tu peux appuyer sur la touche espace pour lancer la recherche item. Oh cool ça. Parce qu'il y a des fois j'ai envie de le faire vite et bah, tu perds vachement de temps avec cette connerie. Alors attends, qu'est-ce qu'on va faire? En vrai il y avait une deuxième grotte, on se fait une dernière grotte et après on va faire la deuxième grotte de là-bas et après j'arrête parce que ça fait quand même 4 heures. Et puis il faut s'en garder un petit peu quand même. Parce que là, vu comme c'est parti, moi je le fume le mode. Hein. Tu me mets Skyrim avec Dark Souls? Bah ouais. Mais oui, prends. Prends tout ce que tu veux et donne-le moi en échange. Eh, par contre j'ai une deuxième oblique là, normalement, ouais. Allez. Grotte de bord de sable. Oh le petit bâtard. Ah non merde, je croyais que c'était le truc. Ah, je vais aller me coucher, je commence tôt demain. Bah vas-y, j'arrête maintenant. Comme ça on garde pour plus tard, ça m'arrange aussi. Parce qu'en vrai. Oh bah en tout cas. Fin de la découverte. Sur un mode qu'on ne connaît toujours pas. On sait juste qu'on est dans Havreglace. Je pense à faire les exploits. Ouais t'inquiète. On sait juste qu'on est dans Havreglace. Que c'est moitié Dark Souls, moitié Skyrim. Qu'on a du stuff incroyable, des sorts incroyables. Et franchement, c'est un des meilleurs modes que j'ai pu tester sur Skyrim. Alors pourtant j'en ai fait des cilés mais lui bah GG quoi. Allez, comme il dit El Barbero, des bisous à tout le monde. Et on se retrouvera pour la suite. Parce que celui-là je vais le faire en live. Ça c'est trop de la balle. Allez hop. Ciao ciao tout le monde.